Bonjour. Bienvenue dans un nouvel épisode de Spyro 2, j'espère que vous allez bien. Un nouvel épisode qui sera aujourd'hui le dernier, car je me lance pour le boss final. Enfin, le dernier, vous savez bien, hein, le dernier avant les lives, avant le 100%, mais le dernier épisode, disons classique, puisque j'imagine que je vais pas mettre 30 minutes à faire le boss, après tout est possible. Et ensuite, on enchaîne sur des niveaux que je n'ai pas réussi à compléter. Et puis, ensuite, on se fera les lives. Voilà. Alors, par contre, j'ai un gros doute si... Est-ce qu'on va avoir la cinématique? Oui! C'est bon. Ok. J'avais peur qu'on ne la voie pas. Revenez, bande d'animaux inutiles! Salut, petit. Je peux t'aider? Quoi? Encore toi? Ouais. Si tu veux tester ce cristal de puissance, pourquoi ne pas l'essayer sur moi? Je ne bougerai pas, promis. C'est une bonne idée. Dragon, tu as signé ton arrêt de mort! Bon, je vous rappelle quand même qu'il y a un point de compétence, hein, si on le fait parfaitement. Mais, oh là, doucement, hein, on voit comment il fonctionne, et après, peut-être... contentera, mais sinon, ce sera pendant le magnifique et spectaculaire live 100%. Et c'est parti. Spyro, oui, nous voulons t'aider à combattre Ripto. Ok. Elora utilise les orbes que tu as collectés pour stocker de l'énergie bonus. Chasseur te jettera les orbes améliorés au fur et à mesure qu'ils seront prêts. En ce moment même, le professeur expérimente de nouvelles formes d'énergie bonus. Tu auras bientôt des compétences que nul n'a jamais vues. C'est sympa que Ripto nous laisse papoter avec la fée. Avant. C'est quand même sympa, ça. Par contre, on apprend que le combat se fera avec Chasseur qui nous balance des trucs. Ça, c'est moins sympa. Laisse-moi courir, hein. Laisse-moi observer, d'accord? Il balance des boulettes. Il balance des boulettes. Là, regarde, j'ai des boulettes, là. Hé, c'est ma boulette. Il faut que j'en récupère 3. Il faut que j'en récupère 3. Ok, 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 ok. J'en ai 2. D'accord, lui, on a une. Doucement, 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 doucement. Je récupère celle-ci. Non! Ok, j'en ai 3. Et je fais quoi? Ah, j'ai un pouvoir qui dure 2 secondes. Mais prévenez, prévenez. C'est incroyable, ça. Attention, 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 attention. Il en a 3, lui aussi. Ok. Bon. Alors, j'imagine que selon la combinaison des trucs, on aura un pouvoir différent. Là, j'ai 2 de feu, plus 1 d'eau ou de glace. Tiens. Allez, ça y est, je l'ai touché. Je l'ai touché au moins une fois. Je le touche 2 fois, mais apparemment, avec mes flammes classiques, ça a pas l'air de marcher. Je mange la boulette à la menthe. Hop, là, la bleue, c'est la menthe glaciale. Tu vois, et l'autre, bah, c'est ça doit être cerise, une connerie comme ça. Olé ! Non, ça doit être l'électricité. L'électricité. Hop, je récupère ça. Et boum ! Et boum ! Enlève le sort. Oh là là, j'étais en mode vue, je sais pas quoi là. Alors, j'ai l'impression qu'en fait, il faut pas que je crache, il faut que je lui fonce dessus. J'ai eu des... J'ai pas fait de dégâts, là. Hein. Peut-être, encore une fois, que ça dépend de la combinaison. Je récupère ça et fonce dessus. Oh là là, mais c'est une tannée, encore. Boum! Ouais, ouais, j'ai l'impression quand même que c'est mieux en lui fonçant dessus. Hein. Ah ah! Boum! Oh! RGB, super, on a fait un magnifique magnifique succès, c'est une bonne nouvelle, c'est bien pour le 100%. Ne prends pas mes boulettes, ne prends pas mes boulettes, ne prends pas les boulettes. Ouh là là. Pour l'instant, j'ai pas encore pris vraiment de dégâts, là, donc c'est bien. Ah, il a pris des dégâts, là. Ok, avec la flamme, je l'ai bien vu. Hein. Je l'ai bien vu. Par contre, je n'aime pas ne pas l'avoir en ligne de mire. Attention, il va avoir un power. D'accord, ok. Hop là. Pas mal. Bon, après, on a Chasseur qui s'est pas visé sur nous, hein, qui balance des trucs sur l'ennemi, mais ça, c'est un autre problème. Je veux dire, moi, je ne m'attendais à rien, et je suis quand même déçu. Ok. J'arrive pas à le toucher. Je l'ai eu. Magnifique. Attention, il a 3 boulettes. Qu'est-ce qu'il fait? L'électricité. Ok, je fonce. On prend ça, lui il en a une, attention il va me tirer dessus. Je suis toujours en tentative de perfect, hein, qui pour l'instant se passe. Peut-être qu'il y a une phase 2. C'est pas impossible. Ouh,
les flammes de l'enfer. Yes. Oh yes. Oh yes. Non, 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 bouge. Oh, 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 oh. Hop là, boulette, boulette. Oh là là, oh là là. Lâche une boulette toi là-bas, non? Ah, il va en avoir trois. Il va en avoir trois, il en a lâché une juste à côté de lui. Allez, ok, on fait gaffe, on fait gaffe. J'en ai trois aussi, merde, c'est pas le bon moment. C'est bon, je l'ai touché. Attention, attention. Détendons-nous, 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 s'il vous plaît. J'ai les mains moites. My god. J'en ai trois. Magnifique. On se casse, on se casse, on se casse. On a laissé des boulettes traîner là. Non, 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 non. Je tremble de partout. Attention, il va en avoir trois là, non? Oui, il en a trois. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Oh, on n'a pas eu ça. Calme-toi. Ok, je prends celle-ci. Merde, je croyais que j'en avais trois. Non, il va en avoir trois, lui. L'électricité. Je fais que courir, je ne fais que courir, je ne fais que courir et je prends ça. Je l'ai eu. Ok, il va forcément avoir une autre phase parce que c'était trop dangereux, enfin c'était trop facile plutôt. Ah, et là par contre... Aïe, 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 aïe. C'était trop facile. C'était trop facile, effectivement. Alors, il récupère une boulette. Il tire encore des trucs comme ça. On observe, là il va... Mais super chasseur, hein. Vraiment, là t'es en train d'aider l'ennemi, hein, je te le dis comme ça. Mais voilà, bravo. Franchement, félicitations, il met les boulettes vers lui. Un grand champion, vraiment. C'est comme ça qu'on fait. On reste en mouvement pour essayer de comprendre ce qu'il fait. Oh, il en balance partout, c'est horrible. Ok, j'ai une boulette. Mais notre... Mais chasseur, fais un petit effort, c'est là que je suis. Un petit effort, il va la balancer encore vers l'autre, je te jure. Eh bah voilà, j'ai pris un dégât. Eh bah voilà. Eh bah super. Tout le monde est deg. Moi le premier. Non mais ça suffit là. Mais il les met vers lui, je vous jure. Ok, le feu. On observe quand même, parce que ce serait important de le savoir pour plus tard. Le feu, c'est une espèce de missile qui me fonce dessus. Mais très lentement, donc ça va. Ah, et lui commence à bien viser. Alors. Ok, 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 ok. En vrai, la phase 2, ça se fait. Hein. Ça se fait. C'est pas ouf, godin. Le problème, c'est que lui commence à bien viser, là, dans cette phase. À chaque fois, il me frôle, il me frôle. Chasseur, un coup de main, c'est ici que ça se passe. Hein. Je suis, je t'assure, je suis le gentil de l'histoire. Hein. D'accord? Ok, bon, pas mal, pas mal. Pas mal. Oh là là, mais voilà, mais il les met vers lui, il est insupportable. Je vous jure, on est en train de savoir, enfin, la révélation, c'est que Chasseur est un ennemi depuis le début, quoi. C'est pour ça qu'il est si nul, il veut pas qu'on gagne. Bon, les boulettes électriques, il a l'air de les mettre surtout près de lui, honnêtement. Wouh! Tiens! Là, faut lui foncer dessus, ok. Bam. Bam. Ok, c'est dommage pour le 100% parce que... Enfin, le no dégâts. Parce qu'il est assez simple, finalement. La phase 2, là, elle est pas ouf. Hein. Ça fait dangereux avec le gros bonhomme, là, mais... Mais ça va, en vrai. Hop là. Attention, est-ce qu'il y a une phase 3? Ah, il y a une phase 3. Ok, ok, ok. Bon, 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 bon. On vise bien, on vise bien, on vise bien, on vise bien. On reste peut-être pas trop immobile derrière lui. Olé, ok. C'est marrant, j'ai l'impression de, entre guillemets, pas prendre de dégâts. Attends. Voilà, voilà, on est mieux là. Il sort, il change de sens, qu'est-ce qu'il fait? Olé, non, 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 arrête, Spiro. Je suis 100% dégoûté. Qu'est-ce qu'il...
Mais my god, Spyro, en plus on recommence du début, t'es insupportable. Je fais tout pour planer correctement, il planait pas, je vous assure, il planait pas. Ok, je suis de retour en phase 3. J'ai essayé plusieurs fois quand même de faire sans prendre de dégâts, et à chaque fois j'en prends un. Bon, on va s'entraîner plus sur la phase 3 surtout, et voir s'il y a quelque chose derrière, parce que ça se trouve, je m'embête à pas prendre de dégâts, et finalement après il y a encore une autre phase, donc on va essayer de continuer et de voir ce qu'il fait. Parce qu'on n'a pas eu trop le temps de s'entraîner là. Là tu vois déjà, là. Peut-être qu'il faut que je fasse... Oh là 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 là. J'ai fait un looping pour essayer d'esquiver mais... Ça m'a plutôt perturbé. Attention. Non, 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 ne recommence pas ça. Oh là là. Il est retourné dans la lave quoi. Où est mon ennemi, s'il vous plaît? Mon ennemi, ok. Bon, ce qui est bien c'est que dans cette phase là, au moins... J'ai le pouvoir en permanence. Allez, faudrait qu'on le termine là. Je pense que c'est la dernière phase. On esquive gentiment ces feux d'artifice là. Plus qu'un seul coup. Oui, c'est bon. Allez, est-ce que c'est valide cette fois? Il y a plus de musique, je pense qu'on est bon. Je ne pense pas qu'on pourra jamais assez te remercier, Spyro. Je suppose que tu dois partir maintenant. Oui, il le faut. Je vais leur manquer dans le monde des dragons et il me reste des vacances à prendre. J'en ai besoin plus que jamais. Avant que tu partes, je pense que Richard a envie de te donner quelque chose. Ah non, certainement pas. Chasseur ? Spyro, Richard est vraiment désolé de t'avoir fait payer si cher pendant ton séjour à Avalar. Nous voulons que tu gardes les gemmes en récompense de ton aide. Waouh, merci. Sparks, tu peux les prendre? Laisse-moi juste taper les nouvelles coordonnées et voilà! Spyro, tu peux aller au rivage dragon. Hey, vous devriez venir avec moi. Vous avez sûrement besoin de vacances. C'est malheureusement impossible, Spyro. Rito est hors d'état, mais il a eu le temps de causer beaucoup de dégâts. On parle de semaines de nettoyage. Mais souviens-toi que tu peux toujours revenir à Avalar via les rivages dragons si t'en as envie. Bon, très bien. Viens, Sparks. On a des tas de jours de vacances en retard. Yeah! Eh ben voilà. Ok, eh bien écoutez, j'ai beaucoup aimé le boss final. Il était pas très très difficile, hein, surtout par rapport au boss qu'on avait fait avant là. Mais il est vachement intéressant. Il était fun avec les orbes. Bon, après, il y a Chasseur qui arrêtait pas de tricher et de mettre les orbes sur le boss, mais bon. En tout cas, le point de compétence est clairement faisable. Il est pas très très difficile. Je me suis fait avoir par des trucs bêtes et au bout d'un moment, je me suis dit, bon, c'est pas grave, on retentera en live. J'aurais pu forcer un petit peu, mais parce que j'ai fait plusieurs essais, hein, si vous avez pas compris, pendant l'ellipse, quand je suis mort la première fois. Mais du coup, voilà, c'est faisable. Clairement, c'est faisable. Maintenant, je vous propose de pas trop s'attarder sur ce menu... Ah c'est bon, je peux revenir. De ne pas trop s'attarder sur les crédits et de continuer notre recherche de gemmes dans les précédents niveaux. Peut-être qu'en plus, il y a un truc qui se débloque après la fin du jeu, donc on va voir. Et surtout, chose importante, on a vu dans la cinématique qu'on avait récupéré les gemmes qu'on avait données à Richard. Et ça, c'est trop cool. Oh là là, on a récupéré plein de trucs. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que c'est que cet endroit? My god, qu'est-ce que c'est que ça? 8055. Bienvenue au rivage dragon, Spyro. Pardon, mais nous ne pouvons pas te laisser entrer dans notre petit parc avant que tu n'aies trouvé plus de gemmes et d'orbes cachées dans Avalar. Bonne chance. Aïe aïe aïe, 55 orbes, 8000 gemmes. On a combien là? J'ai beaucoup de gemmes, mais alors les machins choses, tu peux pas me dire combien j'en ai? J'en ai 53! La blague! On va aller s'en chercher, hein. Non mais oh, qu'est-ce qu'ils pensent là? Allez hop, on va chercher ça. Carnet. Ta-ta-ta. Un niveau qu'on n'a pas fait beaucoup. 78%, là il y en a une. Et ici il y en a une.
Ben voilà, on en récupère deux et on n'en parle plus. Allez hop, on se dépêche. On finit pas les niveaux à 100%, mais je veux qu'on voit l'espèce de parc de je sais pas quoi dans l'épisode. Alors on se dépêche. Alors ici, qu'est-ce qu'il nous fallait ? Spyro, c'est une bonne chose que tu... Mais ça on a déjà fait, monsieur. On a déjà fait, il n'y a pas de souci. Ah, mais parce qu'il faut refaire le coup des pommes pour ouvrir les trucs ? Bah les pommes, c'est pas des pommes, mais oh my god, faut refaire tout le niveau, quoi, en gros, hein. Super. Parce qu'il nous manquait... Il nous manquait quoi, ici, finalement ? Je me souviens pas exactement. On va essayer de voir. C'est pas un problème. Est-ce que je suis obligé de te suivre ? Aïe, 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 faut refaire tout le niveau avec le monsieur, quoi. Mais alors, bravo ! Bravo ! Parce que c'était là-bas, là, qu'il y avait un truc. Attends, tu vas voir. Tu vas voir. Pas besoin de vous, moi. Déjà, je prends ça. Parce qu'il y avait la charge de tête. Plap. Peut-être que c'est tout ce qui manquait au niveau des gemmes. Parfait. Et... Ah non, il faut tuer 18 et demi pour ça. C'est génial que t'aies appris la charge de tête, Spyro. Aïe. Aucun de nous ne puisse traverser avant que ce bonus ne fonctionne. Aïe. Ok, je vais tuer des gens, c'est pas un problème. J'ai l'habitude. Bon, je suis de retour ici, mais en fait, c'est lui qui avait une gemme. Enfin, une... Une orbe. Mais non, d'accord, c'est juste que ça se... Ok, y a pas de problème. Oh non, ils m'ont remis les voleurs, du coup. Non, laissez-moi tranquille, c'est pas eux que je cherche. On va retourner le... Tourner voir le mec au bonus. C'est lui qui me parlait de la charge de tête, donc mais ça me paraît quand même... Mais ils sont piégés dans la roche, et ils couleront si tu ne parviens pas à les libérer. Fais une charge de tête sur les rochers en sautant, puis en appuyant sur action. Pas de problème, je connais bien. Suis-moi. Et souviens-toi. Oui, pas de problème. D'accord. Donc c'est bel et bien ici, hein. Mais les rochers, ils flottent, hein. C'est quand même bizarre, cette histoire. C'est quand même bizarre. Où sont les rochers? En plus, tu m'as dit suis-moi, mais je te suis pas du tout. Peut-être que j'ai pas compris, mais en tout cas, j'aurai un orbe et on sera très content. Voilà. Merci de nous avoir libérés. Je n'ai que ce truc-là à te donner. Au moins, c'est pas un rocher. Bon, bah écoutez, moi ça me va, hein. On a un orbe de plus, c'est tout ce qui compte. On est à 54. Du coup, maintenant, eh bien, on peut faire... Bam. En plus, il est à 100% parce qu'il manquait presque pas de gemmes. Ici, par contre, il manquait pas mal de choses en termes de gemmes. Et il fallait, je crois, tuer tous les... Ah, je sais plus comment ils s'appellent. Les terraformers ? Je crois que c'est ça. C'est ça, le bestiole. Bien ! De retour dans ce niveau, j'ai re-libéré tous les faunes pour libérer le château. Même si je suis pas sûr que ce soit nécessaire pour notre orbe. Mais je me dis que ça peut être intéressant de le faire. Ah, il faut qu'on tue encore 14 ennemis ? Pour la supercharge, j'en ai tué que 10. Merdaille. Parce que notre orbe, normalement, c'est dans le coin là, je crois. Ouais, c'est ici. Ah, il faut d'abord... Oh non, il faut d'abord le relibérer avec... Ah, c'est insupportable, il faut tout refaire, mes pauvres amis. Si j'avais su. Ok, alors par contre, est-ce que je peux les tuer maintenant que j'ai la charge de tête, eux? Non. C'est pas possible. Faudrait pouvoir sauter sur eux, enfin, ça me paraît compliqué. Bon, je refais ce truc-là. Ok, c'est bon. Donc ça, on le libère. Et là, il va me demander une autre chose qui nécessitait la charge de tête. Voilà, donc pam. Donne-moi cette ancienne orbe. Enfin, cet ancien orbe. J'arrête pas de parler au féminin, mais bon. Tu veux bien m'aider à calmer ces stupides terraformers ? Oui, les terraformers, c'est toujours compliqué, hein. Beauté le derrière des terraformers. Quand je tire sur un terraformer avec une flèche, tu fais une charge de tête sur lui avant qu'il ne se relève. Souviens-toi, pour cela, tu dois sauter... Ou alors, je connais... Ok, d'accord. Donc, il tire un truc et après, on fait une charge. Alors, montre-moi. Ok. Ah, ça me compte pas comme des ennemis. Vous auriez pu mettre en plus des petites... des petites coupiotes ennemis. Ça m'aurait fait les 14 pour faire la supercharge parce qu'on avait un truc... Une caisse métallique que j'avais pas faite pendant l'épisode où on était ici. Parce que je pensais que justement la charge de tête pourrait peut-être fonctionner. D'ailleurs, c'est peut-être le cas.
Hein, c'est peut-être un truc à tester. Oh, c'est loin, ça. Raté. On se calme. Ok. C'est un sniper, chasseur. C'est un sniper. Et bah voilà. Ah si, ça nous a quand même passé à 17. Tiens, parfait. Je voulais donner ça à l'alchimiste, mais je suis un peu fâché contre lui en ce moment. Tu m'étonnes. Ok, bah voilà. Donc nous avons les 55 orbes et les 8000 gemmes pour le niveau secret, on va dire. Mais j'aimerais quand même compléter les gemmes ici, quoi, tant qu'à faire, non? Vous croyez pas? Donc eux, je peux pas les tuer, hein. Je pensais que peut-être la charge de tête pourrait les tuer. Mais en fait, non. Je ne peux pas. Alors, où était... Où était... Le coffre métallique. Olé, où était le coffre métallique? Help me! Non, pas par là! Pas par là, pas dans la lave! Non, on est vivant! Coffre métallique, s'il vous plaît. Où était-il? Ah, et puis évidemment, j'ai pas ouvert ça. Parce que j'ai laissé traîner des gemmes absolument partout ici. Hein. Vraiment, il y en a partout, partout. J'ai vu des trucs. Je vais quand même reprendre de la vie avant toute chose. Sinon, on est bon pour recommencer. Donc, tuons les petits cochons. Et il faut qu'on trouve où est-ce qu'il y a le coffre métallique. Je l'ai vu tout à l'heure. Il est là. Ok, il faut que je passe par là, mais il faut que je fasse demi-tour. Voilà, trouver le coffre métallique, c'est une chose, mais il faut encore qu'on arrive à l'atteindre avec la supercharge. Voilà, là, c'est raté. Il faut que j'arrive à faire un demi-tour et à sauter là-bas. Je pense que c'est le seul moyen. Faut pas faire tout le tour comme si on faisait le niveau normalement. Non, non, non. Il faut faire le tour comme ça, là. Là, tu fais le tour. Là, tu sautes. Là, tu sautes. Et là, tu charges. Voilà, je suis toujours en supercharge, bien sûr, bien sûr. Voilà, et là, boum. Et là, voilà. Et là, tac, tac, tac. Bon, la charge de tête ne fonctionne pas. Vous avez la réponse. Je sais que vous vous posiez la question. Une question très importante. Eh bien, maintenant, vous avez la réponse. Ok, on va tenter comme ça. Moi, je veux gruger comme ça. Je sais pas si c'est la solution, mais je veux faire comme ça. Ok? Donc, il suffit de bien timer le saut. Oh là là, ça va être une tannée. J'aime pas les tannées, moi. Attends, déjà, vous me saoulez. Je suis désolé, vous me gênez. Voilà. Non, mais allez. Adieu. Merci beaucoup. Petit cochon. J'ai dit adieu. Voilà. Ah, des gemmes. Est-ce qu'on tue tout le monde? C'est quand même marrant, non? Je vais mourir. Je vais finir par mourir. Les ennemis vont revenir. Je vais vraiment être ultra, méga, deg! Ah, j'ai peur! Ok. Ok, lui, il est mort. Mais regarde, il y a des gemmes derrière lui, là. C'est important. Est-ce que j'ai peur ou est-ce que j'ai pas peur? J'ai pas peur. J'ai vraiment pas peur. Si, j'ai peur. Il va me tuer. Arrêtez vos bêtises. Putain, mais... Tiens! Non! Ah! Putain, mais Spiro, roule droit, quoi! C'est pas possible, ça! Allez! Mais Spiro... Ok, ça a fonctionné, mais j'avais l'impression d'avoir vraiment beaucoup plus de facilité la première fois qu'on avait fait ça. Bon, c'est le nettoyage. Magnifique! Après un magnifique nettoyage des terraformers, nous avons un point de compétence, enfin un trophée PS4. Écoutez, très bien. très bien. Écoutez, maintenant que le nettoyage est fait, j'ai envie de vous dire qu'on va faire le truc classique. Donc le truc classique, c'est très simple, du fond, comme ceci. Le truc classique, donc, c'est très simple. Hein, c'est vraiment, vraiment très simple. Il suffit de foncer, de ne point réfléchir, et soudain, d'arriver à l'opportunité qui est de foncer sur la gauche.
Raté. Ah ah ah, ça y est. Ouah, j'ai eu toutes les gemmes d'un coup, quoi. Genre, on n'a même pas eu le temps de voir s'il y en avait beaucoup. J'ai tout eu d'un coup. Bon. Eh bien, écoutez, encore une fois, niveau terminé à 100%, c'est parfait. Nous avons les 55 gemmes, on a bien assez... Alors, comment on fait pour aller... Ah, Rivage Dragon. On a bien assez de gemmes pour débloquer le niveau. On va voir ce que c'est, mais honnêtement, vu le temps que j'ai mis pour arriver jusqu'ici, je suis pas sûr de le faire en entier aujourd'hui. On va regarder ce que c'est. Si c'est un truc fun qu'on peut faire rapidement, on le fait. Si je m'aperçois que c'est très long, je pense qu'on gardera ça pour les lives, pour la petite surprise de live. Mais bon, j'ai mis beaucoup plus de temps que ce que j'espérais pour arriver jusqu'ici. Donc, ça risque d'être problématique. Alors, coucou. Bien joué, Spyro. Tu peux entrer dans le parc des Rivages Dragons. Mais alors, qu'est-ce que c'est? À propos, si tu as 10 jetons, tu peux visiter notre théâtre. Oh là là, mais ça a l'air d'être un truc ultra grand, ultra vaste, ultra je sais pas quoi. C'est des mini-jeux? Oh, il y a encore un truc là avec 10 000 gemmes et 64 orbes. On va en essayer un. Allô, merci. Approche, Spyro, et regarde ce que nous avons pour toi aujourd'hui. À l'intérieur de ce stand, tu trouveras les créatures les plus cruelles que tu aies jamais vues. Stand de tir. Et si tu essayais avec ces balles, vise, tire sur la cible et regarde les terrifiantes créatures s'effondrer dans l'eau. Ne t'en fais pas, ça ne les blesse pas. Bien sûr. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Alors, je fais juste un truc comme ça. Oh. Alors, c'était amusant, non? Tu as bien mérité de remporter ce jeton. D'accord, donc je prends un jeton et il m'en faut 10. Tu peux encore essayer si tu veux. Y a pas d'orbe ici. En fait, on pourrait peut-être tester comme ça. Non, y a rien. Tu vois, il me propose rien quand je suis ici. Il me propose rien du tout. En gros, je prends une dizaine de jetons. Je pense qu'on le fera la prochaine fois. Ce sera plus marrant la prochaine fois. Parce qu'en plus, alors certes, il y a les jetons, mais il y a ça, là. Et ça, je pense qu'il faut le 100%. Clairement, il faut le 100%, parce que, en gros, qu'est-ce qui me manque? Là, il me manque dans les plaines automnales, il m'en manque 2 et quelques gemmes. Oh là là, rien ne va ici, hein. Rien ne va ici. Le monde de la forêt d'été, c'est un peu la décadence. Il me manque pas grand-chose. Mais une fois qu'on aura complété ça, je pense qu'on aura les 10 000 gemmes et les 64. Du coup, ça m'embête de faire les jetons si je peux pas faire ça. On le fera en live. Vous savez quoi, on le fera en live. On a vu ce que c'était. C'est donc des espèces de petits jeux avec des jetons. Bienvenue dans nos montagnes russes. Non, je veux pas savoir. Quoi? Non, je veux pas savoir. Il est insupportable. J'ai dit que je voulais pas savoir. Ah, il faut pas rouler sur les tortues. Pauvre bébé tortue. Attention, bébé tortue en approche, non? Je peux pas tirer de flamme, hein, au cas où vous vous posiez la question. Je me suis laissé embarquer dans un game qui n'était pas prévu. Ah! Ah, les bébés! Ah, j'ai peur. Ah, j'ai peur. Pourquoi vous mettez des bébés tortues sur la voie aussi, qui roulent à contresens? Ça va pas la tête! Bien joué, dragon! Voici un jeton pour toi! Oh! S'en fout, ces trucs! S'en fout! Très bien! J'actionne un interrupteur et tu peux essayer davantage de pistes. Voyons si tu pourras continuer d'éclater les ballons. Je veux pas. Non, s'il vous plaît. Les montagnes russes, ce n'est pas pour tout le monde. Silence. Les gens ne veulent pas me laisser partir. On arrête cet épisode ici. On se retrouve en live dans une petite semaine et on complète. On complète ces trucs-là. On complète les niveaux qui n'ont pas été complétés pour faire ensuite cette espèce de truc-là qui a l'air intriguant. Et on complète les trophées PS4 pour le trophée platine et on sera comblé de bonheur. Voilà. Donc je vous fais des bisous. Peut-être que j'aurai changé d'avis d'ici là et que j'aurai complété un truc encore en épisode classique. Mais pour le moment, je m'engage plutôt sur les lives. Après, si je change d'avis, vous verrez bien hein, si un épisode sort. Voilà. Vous serez prévenus sur les réseaux sociaux pour ce live. Il y aura bien sûr une rediff qui durera du coup assez longtemps. Parce qu'on a quand même pas mal de choses à faire. Et puis voilà. Des bisous.
On se retrouve bientôt. Si vous ne regardez pas la suite parce que vous estimez que la fin c'est au niveau du boss final, eh bien merci d'avoir suivi ce let's play et à la prochaine.